bleu et argent et pèse 138,8 livres. Il est invaincu en 13 combats avec 13 victoires, 8 par KO. De Québec, le champion canadien des superplumes, Pierre-Olivier Apou. Suis mes instructions. Okay. On m'écoute en tout temps. On se protège. You receive my instructions before the fight. Obey my command on time. Touch love. Alors voilà, chez les légers maintenant, 6 rounds de boxe entre César Soriano et Pierre-Olivier Côté qui est de Québec. Une fiche parfaite. 13 victoires, aucune défaite. 8 de ces 13 victoires par KO. On est chez les 138 livres. Et c'est parti, Côté. Son surnom, Apu, porte la culotte bleue. Alors que César Soriano et d'autres boxeurs... Oh! Côté vient d'atteindre Soriano au menton! Soriano a été surpris, le combat vient à peine de commencer. Soriano qui est venu 5 fois au Québec, a toujours perdu par décision, a toujours fait la limite. Et pas contre n'importe qui, Logan McGuinness, Ali Sheboy, Jojo Dan. Il saigne de la bouche et... Kevin Bizier. C'est terminé. Dirigeant, c'est déjà terminé! Il lui a cassé la mâchoire. Il a la mâchoire fracturée. Oh oui! Eh oui! Oh! Toute une main droite d'Apou Côté. Oh! Quelle surprise! Un coup de poing! Soriano qui a fait la limite, lui, avec tout le monde ici, qui arrive ici au premier coup de poing. Bang! Et il lui a cassé la mâchoire et on le voyait dans les yeux de Soriano quand il s'est relevé. Ça n'allait pas très, très bien. Il a senti la douleur très, très vive tout de suite. Et là, on s'occupe de lui dans son coin. Pierre-Olivier Côté, un coup de poing et il gagne son combat ce soir à Québec devant ses partisans. Wow. Quel coup d'éclat de Pierre-Olivier Côté! On va voir le coup de poing qui a fait toute la différence. Regardez bien ça. Ça s'en vient. Bang! Oh! Elle a lancé quelques jabs sans nécessairement toucher la cible, mais a transféré son poids là, de façon énergique avec ses hanches. Directement sur la mâchoire. Mesdames et messieurs, alors, le gagnant de ce combat par KO technique à 30 secondes du premier round, Pierre-Olivier Apou. Pierre-Olivier Côté voulait aller se coucher de bonne heure, lui. 30 secondes et c'est fait, une 14e victoire.